Voici arrivé à Blue Pool. Pour arriver à la destination, on doit marcher pendant une demi-heure dans la forêt. La forêt est plutôt cool, comme souvent ici, on a beaucoup de mousse sur les arbres, énormément de végétation, voilà, autour de moi. On doit marcher une demi-heure pour arriver à la destination, donc ça va faire une heure aller-retour. Cette destination est très populaire, parce qu'il y a beaucoup de monde dans cette forêt-là, en tout cas beaucoup plus que ce qu'on avait au début du road trip. Il continue malheureusement à pleuvoir, donc je ne sais pas si je vais pouvoir filmer beaucoup de plans, parce que voilà, il pleut quand même pas mal. Mais malgré tout, la forêt et la marche sont très agréables. Et maintenant, je pense qu'on devrait être pas très loin de notre destination. Donc, on se retrouve là-bas et je vous laisse avec quelques shots de cette magnifique forêt. The longer I've waited, the more that I've tried. All the years that I've wasted trying to find it. All that I go through for my peace of mind. Let it all go out the way. Smoke in my eyes, I can hear the wind chiming. It's always been you in the back of my mind. Early blue morning, when everything's cold, I see you running covered in gold. There's nothing else that eases my soul. I let it all go out the window. Bon, du coup, nous voici arrivés à Blue Pool, qui est en gros un pont sur la cascade, sur la espèce de rivière de rapide juste ici qui est Blue Pool. Et l'eau hyper bleue à cause de la réflexion des minéraux dans l'eau, et ça fait voilà des magnifiques eaux claires, des magnifiques eaux bleues. Et la rivière, les rapides vont jusqu'au bout là-bas, jusqu'au bout, et ensuite se jettent sur une autre rivière qui est juste ici. Et du coup, juste en dessous de ce pont, on a une espèce de piscine naturelle qui se forme et qui s'appelle du coup Blue Pool grâce à la couleur. L'endroit est magnifique, j'aurais bien voulu carrément me jeter de ce pont, mais bon, on n'a pas le droit. Parce que mon gars, l'eau, elle est magnifique. Donc du coup voilà, bienvenue à Blue Pool. Thank you.
voici arrivés à notre destination. Nous sommes arrivés à Wanaka. Nous sommes plus précisément au camping de Wanaka qui est juste à côté. On n'est même pas à 2 minutes en voiture de la ville. Donc on a payé 10$ par personne juste pour la voiture et dormir dans la voiture. Du coup on a tout cet espace, voilà, qui est le camping. Et les toilettes, c'est vraiment les toilettes vertes là-bas là. Tu sais, les toilettes que t'as un peu dans les festivals. Et ben ici c'est un peu les toilettes que la ville propose. Mais pour nous ça nous ira très bien. Du coup on va passer la nuit ici. Et demain on va se balader un peu plus en ville. On a déjà fait un peu le tour très rapidement. C'est genre tout petit, c'est genre un village de bordel. Mais bon, ici c'est une grosse ville. Wanaka est réputé pour l'un des arbres les plus connus et les plus emblématiques au monde, qui est l'un des arbres les plus photographiés. Je voulais le prendre en photo pendant un sunset. Malheureusement, regarde-moi ça, le temps gris, il pleut même, tu vois. Du coup, il n'y aura pas vraiment de sunset ce soir. Donc je pense qu'on ira juste, voilà, demain matin, essayer de prendre un petit sunrise, ou alors on aura la lumière du matin. Donc, sur ce, on va aller se poser dans la voiture. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que les waterfalls et que Blue Pole vous a plu. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. C'était Frankie, Ekring et la voiture. Peace.